Deux conseils qui sont très très importants au badminton. Le taper en avançant et le retour de frappe. Alors taper en avançant, par exemple, on va venir taper en avançant, on vient mettre son buste en avant pour revenir plus vite, pour protéger la zone dangereuse qui est la zone du filet. On va revenir dans le terrain. Qu'on fasse un coup en retard, on va taper en avançant. Qu'on fasse un coup en demi-retard, on va taper en avançant avec le buste, les jambes fléchies vers l'avant. Et ensuite, une fois qu'on a tapé le volant, là, on vient faire un retour de frappe rapide pour protéger les coups qui peuvent être difficiles à gérer, qui sont les coups très rapides dans le retard derrière. En fonction de votre coup, vous allez devoir gérer la position de base et ce retour de frappe et se taper en avançant. Et bien sûr, si tu veux en savoir plus, clique sur le lien en bio et il y aura beaucoup plus de vidéos.